Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars. Bienvenue les rois et les reines. Je vous accueille avec bonheur pour cette petite bulle d'art, de créativité, de développement personnel et de chant. Votre voix est votre trésor. Déployer votre voix se fait à travers votre créativité et votre capacité à observer ce qui est beau. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais écrire comme parole à cette chanson ? C'est pas compliqué. Vous observez autour de vous et vous voyez par exemple des hortensias qui sont mauves. Vous pouvez commencer par mauve, mauve. Cet hortensia est mauve, 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 mauve. Voici un mot. Mauve, mauve, mauve. Why don't you move, move, move? Le vent dans les hortensias, le vent. Et si vous travaillez ce petit bout de truc-là, qui est juste la réalité de ce que vous vivez, si vous travaillez, vous le refaites, vous le faites encore, vous allez trouver un morceau d'enfer. Ne me dites jamais plus, j'ai pas d'inspiration. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'existe pas. La vie est une inspiration. La vie elle-même est une inspiration. Inspirez la beauté du monde et expirez-le en chantant. Expirez votre créativité de chaque instant. À chaque instant, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Juste ouvrez les yeux et décrivez ce que vous voyez. Décrivez ce que vous sentez et essayez de faire un lien. Dites des mots et amusez-vous avec la langue des oiseaux. Vous savez ce que c'est que la langue des oiseaux ? C'est quand on dit quelque chose, eh ben, on entend avec nos oreilles et notre capacité à comprendre la langue des choses différentes dans les mots. Par exemple, tout à l'heure j'ai dit mauve, je voyais des hortensias mauves. Ben dans hortensia, par exemple, il y a or. Donc, cette hortensia vaut de l'or. Elle est mauve. Elle est porteur de mots. OK ? Et vous pouvez partir sur le vent. Devant, le vent. Amusez-vous avec le mot lui-même. OK ? Pour la prochaine fois, votre devoir à la maison, c'est de créer un texte à partir de ce que vous voyez. Le lien entre ce que vous voyez et ce que vous ressentez et la morale que vous en tirez, ce que vous avez envie de nous transmettre. Par exemple, là je suis devant des hortensias, ces hortensias sont mauves, ce mauve-là de l'hortensia me fait penser à la douceur des mots. C'est tout, j'ai fait une chanson, d'accord ? À vous, à bientôt les rois et les reines. Merci pour vos pouces, j'aime, vos commentaires et vos transferts. Transférez ce message à qui a besoin de ça autour de vous, les créateurs, les créatifs, ou bien ceux qui ont oublié d'être des enfants et de s'amuser avec ce qui est. Vous vous souvenez quand on jouait dans notre chambre, on trouvait un truc et on créait avec ? Eh bien, c'est à vous. À vous. Vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez.